Elle était belle, une véritable réelle Natigella. Mais aujourd'hui, qui est-elle? Car ses habitants ne sont plus humanistes. Comment puis-je pratiquer l'abstinence sexuelle si les filles sont habillées et pourtant dévêtues? Des mineurs en mini-jupe en mode de séduction des tontons qui ont l'âge de leur père. J'ai honte de ce monde où une fille et sa mère se disputent d'un homme. Des parents qui obligent leur fille à la prostitution pour s'y venir aux biaisons familiales. L'adultère a pris de l'ampleur, le mariage est devenu un bon prétexte pour jouer à l'infidélité. J'ai honte de cette jeunesse pour qui la fornication est une fierté. Malgré qu'on avait tous ces beaux rêves d'être l'être qu'on prétendait d'être depuis qu'on était des êtres insensés, la sexualité a dévoré notre ambition. Eux, on perd le temps à effectuer des choses inexistantes au lieu d'exécuter des choses importantes qui nous apportent autant de bénéfices. Elle était belle, une véritable réelle naturelle, mais aujourd'hui criale car ses habitants ne sont plus humanistes. J'ai peur. Je m'inquiète de l'avenir de ces enfants. Ces mômes délaissés dans la rue, dépourvus de toute bonne éducation. Les démunis pleurent car ils ne voient aucun pied de vieux à leur secours. Les aimants et les autres regardent, ainsi naissent les discriminations. L'hostilité a pris de l'ampleur, l'amour du prochain s'est transformé en la haine du prochain. Les frères du même sang sont devenus leurs premiers ennemis.